faisions des difficultés adaptées à notre temps. Attention, attention. Isabelle Severino en finale du sol avec comme thème Cendrillon. Est-elle capable de survoler la spécialité qui a fait d'elle la gymnaste la plus élégante? Double avant. Bien. Dommage, parce que j'ai la sensation que ce sol est riche de promesses. Et sa première acrobatie est très originale, que l'on voit rarement dans un programme féminin. Voici. Ça, le twist double avant. C'est cette diagonale. Voilà. On part vers l'arrière. Ah ouais, non, c'est pas cette diagonale-là. C'est la diagonale de la série avant. Salto avant encore tendu. Salto avant avec une vrille, malheureusement. Et non, trop jetée vers l'avant. Jean-Maurice Hogg nous a montré la faute qui empêchera Isabelle Severino de doubler. Titre de championne de France, barres asymétriques et sol. Enfin, elle retirera tout de même une médaille d'or de ces championnats, alors que Laetitia Béguet a remporté le saut et que Cécile Canqueteau a raflé la médaille d'or de la poutre. Quant au sol, eh bien, rien n'est encore joué. Il reste